y a 1500 ans, les dieux de Cyrilia s'engagèrent dans une lutte sans merci. Azrael, dieu du mal et seigneur des ténèbres, rassembla les elfes, les gobelins et les gnomes en une puissante armée en vue d'anéantir les hommes et les nains qui résistaient, soutenus par leurs dieux face aux hordes diaboliques. Mais les ténèbres dominèrent. Sachant la victoire d'Azrael imminente, les dieux du bien réunirent leurs dernières troupes au pied du mont Desmar pour la confrontation finale. Durant la bataille, les elfes, réalisant la nature maléfique d'Azrael, changèrent de camp et se joignirent aux forces du bien. Finalement, dans un effort désespéré, les dieux prirent forme pour concentrer leurs énergies divines vers la destruction d'Azrael. L'explosion secoua la terre et déchira les montagnes, ébranlant l'ordre de l'univers depuis le firmament jusqu'à l'enfer. Les dieux, en se sacrifiant, avaient détruit Azrael, et leur essence divine se répandit sur les rares survivants de la bataille, leur transmettant une partie de leur pouvoir. Ceux qui furent aspergés du sang d'Azrael combattirent pour s'enfuir et remarquèrent alors qu'ils pouvaient s'emparer des pouvoirs divins de ceux qu'ils massacraient. Les héritiers d'Azrael sont désormais connus sous le nom d'Anshelin, mot elfe qui désigne le sang des ténèbres. L'accumulation de pouvoirs surhumains dans leur sang en a fait des abominations telles le Spider, mi-homme, mi-araignée, ou encore Ruhom Manslayer, un guerrier elfe puissant, le seul qui n'ait pas déserté Azrael pendant la bataille. Mais le plus redoutable des serviteurs d'Azrael était le prince Raisen, un guerrier d'une habileté effroyable, qui massacra sans relâche les autres lignées de sang divin afin de leur voler leur pouvoir. Ses actes répétés de meurtre et de barbarie le transformèrent en monstre immense à la peau de pierre, le Gorgon. Les combattants du bien ont eux aussi hérité des pouvoirs des dieux qu'ils défendaient et les ont passés à leurs descendants de génération en génération. Roel, le demi-frère de Raisen, forgea l'Empire d'Anuil. Lui et sa lignée régnèrent de manière juste et équitable pendant des siècles et des siècles. Il y a 500 ans, l'empereur Michael Roel fut terrassé par le Gorgon, laissant le trône sans successeur. L'Empire se fragmenta alors en une multitude de royaumes rivaux, chacun dirigé par un descendant de son divin. À ce jour, aucun ne s'est montré digne de l'accession au trône de fer. Maintenant, le plan du Gorgon est de monter ses factions les unes contre les autres. Déjà, ses agents sont à l'œuvre dans tout l'Empire pour faire croire à chaque régent qu'il est le seul capable de réunifier l'Empire. Le Gorgon s'apprête à frapper lorsque ses ennemis, déchirés et affaiblis, seront les plus vulnérables. Tuez-les. Tuez-les tous. Du royaume de Bosom, bienvenue et merci de votre assistance. La mort du vieux baron et le départ défilé d'Ozon à l'aventure nous font accepter avec soulagement l'aide que vous avez eu la bonté de nous offrir. Voilà des années que je sers d'Ozon au titre d'intendant, je ferai de même pour vous et me chargerai des affaires courantes du royaume tout en faisant votre éducation. Au cours de cet apprentissage, s'il arrivait que vous ne suiviez pas mes directives, par choix ou encore par erreur, il se peut que mes instructions ne correspondent plus aux événements survenus au sein de votre royaume. Dans ce cas, je vous demande de recommencer. Le programme d'initiation prend si peu de temps que vous régniez bientôt sur votre royaume,
Je vous l'assure. J'entends que vous savez que Ozan se trouve aux confins du nord de Nuire, mais si vous me suivez, nous examinerons des détails sur la carte. Cliquez ici, je vous prie, afin d'agrandir la vue de Dozone. Vous pouvez aussi vous servir des touches plus ou moins pour effectuer un zoom avant ou arrière de la carte. Pour vous déplacer sur la carte, cliquez sur des zones inoccupées si vous cliquez sur une unité, celle. Si se mettra en attente d'ordre de déplacement, ou utilisez les touches fléchées. Vous pouvez agrandir la carte pour visualiser l'ensemble d'annuaires vous servant du bouton en bas à droite de l'écran. Pour en savoir plus sur les forces, les chevaux ou les provinces, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Remarquez les différents types d'informations à votre disposition. La fille d'Ozone se trouve près du château de Sunlin. En cliquant dessus avec le bouton droit, vous afficherez son écran de statut. Maintenant, recadrez la vue sur Dozone. Vous remarquerez que les noms des provinces de chaque royaume apparaissent à mesure que vous agrandissez la carte. Sous ce nom se trouvent deux chiffres. Le premier indique le degré de civilisation ou la population de la province. Le second correspond au niveau de magie. Généralement, plus le premier chiffre est élevé, plus le second est faible. Vos nouvelles fonctions de régent vous amèneront à contrôler nombre de tenures, ou propriétés, de Dozone. Pour les visualiser, cliquez successivement sur ces boutons pour afficher vos casernes, guildes, temples et sources. Remarquez le petit blason affiché au coin de chaque tenure, il identifie le propriétaire de la tenure. Notre blason mêle l'or et l'argent. Le niveau ou la force de chaque tenure est indiqué par la taille de sa représentation sur la carte. Comme d'habitude, cliquez sur l'image souhaitée avec le bouton droit pour en savoir plus. Vous constaterez que vos casernes et vos ressources ne sont pas négligeables, mais vous ne possédez ni temple ni guilde. Les religions organisées de Dozone sont sous la férule de groupes indépendants, et les guildes importants appartiennent à Caril, comme l'indique leur blason vert et marron. À chaque tour du domaine, vous pouvez vous fixer trois actions sur le domaine qui nécessitent chacune un mois pour leur réalisation. Chaque tour représente donc une saison de l'année. Les boutons de commande situés à gauche représentent les actions sur le domaine proposé. Commençons par la plus simple à expliquer. Cliquez sur le bouton Passer pour reporter votre première action sur le domaine, puis cliquez sur OK à l'invite. Vous préférez généralement attendre la suite des événements et accroître vos ressources avant de passer à l'action. Pour l'instant, voyons ce qui va arriver. Personne de grand talent susceptible de vous seconder dans votre quête à bon à nuire. Recruter un lieutenant permet de vous assurer de son aide. Différentes classes de lieutenants soldats, prêtres voleurs et magiciens sont disponibles. Chaque classe comporte divers niveaux de compétences. Pour recruter, cliquez sur le bouton Recruter un lieutenant.
ce ne sont pas vos troupes. Un parchemin présente les lieutenants disponibles, par nom, classe et niveau. Pour visualiser le statut de l'un d'eux, cliquez sur son nom à l'aide du bouton droit de la souris. Sur le parchemin de l'écran de statut, cliquez sur « Animer » pour le voir en action. En revanche, vous ne pourrez pas consulter son inventaire avant de l'avoir engagé. Cliquez sur « OK » pour revenir à la liste des candidats. Donc, il y a une mauvaise nouvelle. C'est votre tour. Seigneur. On me rapporte que des gnolls terrorisent les fermiers d'Aël. À l'aide du bouton droit, cliquez sur les troupes figurant sur la carte afin d'en savoir plus sur elles. Ces créatures fourrent pillent nos fermes dès que nos gardes ont le dos tourné. Il nous faut envoyer des hommes sur le champ pour les chasser ou les anéantir. Heureusement, des chevaliers sont déjà prêts au nord, dans la province limitrophe de Darylien. Les gnolls sont coriaces, et nos chevaliers n'y suffiront peut-être pas. Nous serions avisés de rassembler des archers. Rassembler les troupes est une action libre, indépendante du quota autorisé par saison. Lors du rassemblement, vous pourrez choisir les provinces destinataires ainsi que le nombre et le type de troupes souhaitées. Chaque tour vous donne la possibilité de lever des troupes dans une province en fonction de son niveau de civilisation. Cliquez sur « Rassembler les troupes ». Une liste affiche les provinces sous notre contrôle. Nous pouvons rassembler nos troupes dans toute partie de ces territoires. Choisissons par exemple le Riverside. Pour rassembler une unité d'archers, cliquez sur le plus en regard de ces derniers. Le calcul du coût en lingots d'or apparaît en bas du parchemin. Si vous avez sélectionné le nombre d'unités maximales pour une province, le rassembler un autre type de troupe, cliquez sur le signe moins en regard du chiffre. Pour consulter les statistiques au combat d'un type d'unité précis, cliquez sur son nom avec le bouton droit afin d'afficher son profil de combat. Supprimez-le en cliquant dessus. Seuls les archers nous sont utiles. Nous nous contenterons donc pour l'instant de rassembler ce type d'unité. Dès que le nombre et le type d'unité vous conviennent, cliquez sur « Rassembler ». La liste des unités provinces. Vous pouvez très bien choisir une autre province et y rassembler vos armées. Dès que vous avez rassemblé toutes les unités voulues, cliquez sur OK. Le déplacement des troupes étant aussi une action libre, vous pouvez en déplacer autant que vous le voulez dans les provinces adjacentes à chaque tour. Pour expédier des troupes, cliquez dessus avec le bouton gauche, puis cliquez sur la province de destination. Cliquez bien sur la province et non sur les unités qui s'y trouvent. En l'absence de route, les mouvements de troupes vous coûtent de l'or. Déplacez les chevaliers de Darylien dans Idaël. Ils feront halte en rencontrant les gnolls. La bataille en mouvement de troupes. Déplacez sans tarder les archers de Riverside. Les troupes peuvent être déplacées même si les provinces ne sont pas adjacentes. Envoyez donc directement vos archers à Daël. Une fois à Daël, on vous proposera de les joindre à votre unité de chevaliers. Je vous conseille de le faire afin qu'ils affrontent les gnolls ensemble. Dès que vos troupes sont prêtes, cliquez sur « Passer » pour signifier que vous avez terminé vos déplacements. Toutes les actions sont disponibles, mais contentons-nous de passer pour avancer dans la bataille. Cliquez sur OK pour confirmer votre ordre et engager vos forces. Vous allez avoir le choix de battre en retraite en renonçant à la bataille, de prendre le commandement, ou de le déléguer au leader de vos troupes. Pour ce conflit, nous dirigerons les opérations.